Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Attention, ça va aller très vite, je suis Max Timo et aujourd'hui je vais vous présenter Donwell en 1 minute 30 et en y jouant, histoire de bien compliquer la vie. Donwell, qu'est-ce que c'est? Donwell, c'est un nominé aux Z-Game Awards 2015, développé par Mopin, et c'est un roguelike platformer où on fait un bonhomme qui, pendant une balade nocturne en fait, a décidé d'enfiler ses bottes flingues et de fouiller un puits pour voir ce qu'il y avait dedans, à savoir des monstres et des gemmes. Donc on fait le monsieur qui tire avec ses pieds là, ce qui lui permet de détruire les ennemis et de détruire et les obstacles aussi, et ce qui l'empêche de tomber trop vite aussi, c'est un peu problématique si on tombe trop vite dans le jeu. On a deux jauges, une jauge de chargeur, une jauge de vie, les deux peuvent subgrader soit dans un magasin, soit sinon en trouvant des grottes avec des flingues dedans, des nouveaux flingues. À savoir que si on se fait soigner en fait au-delà de ses PV max, en fait on fait augmenter une seconde jauge qui, une fois remplie, permet de. D'augmenter d'un point le nombre de PV totaux, c'est pratique. À la fin de chaque niveau, on peut choisir une nouvelle upgrade, un peu à la Nuclear Throne, hein, donc on a des trucs assez puissants comme les bottes explosives, le visée laser, le drone, tout ça. À chaque fois qu'on crève aussi, on fait augmenter une jauge de progression assez élevée qui permet de débloquer des nouveaux trucs comme des nouvelles palettes ou alors de nouveaux styles de gameplay comme par exemple plus de flingues, moins de gemmes ou pas de magasin, plus de grade, Fox Only, destination finale, tout ça. Donc voilà, c'est un excellent défouloir pour Steam, pas cher à 3€ et je recommande, c'était Max Timo et je vous dis à une prochaine fois.